sommes quelque chose. Everything that's making us feel nous that we're something. Couronnes ce matin. Father, we put down our crowns before you. Que ta couronne à toi soit élevée dans nos vies. That let the crown be before you, Lord. Que ta couronne à toi soit élevée dans nos vies. Let your crown be elevated in our Seigneur, lives. Seigneur, brise-nous encore. Father, break us more. Brise encore nos orgueils. Break our pride. Brise-nous encore. Break us more. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Ta parole est la vérité. Your word is true. Veille sur cette parole pour l'accomplir Keep dans nos watch vies. Over your word so it gets accomplished Saint-Esprit, in our lives. Je me soumets à toi ce Holy matin. Spirit, I submit to you this que morning. Que ma bouche soit l'extension de ta bouche. Let my mouth be an extension of yours. Que ta parole nous ouvre l'esprit. Let your word open our spirits. Et qu'elle porte à nous des fruits qui vont demeurer. Let it bring forth fruit that will stay. Jusqu'à l'éternité. Up to eternity. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Acclamons pour le Seigneur. A round of applause for the Lord. Que Dieu vous bénisse abondamment. May the Lord bless you. Abundantly. Bienvenue à tout le monde ce matin. Welcome to you all this morning. À la cité de David. To the city of David. Que Dieu vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Vous qui avez pris le temps de you venir ici ce matin. You who took time to be here this morning. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Hébreux chapitre 1. We're going to go to the book of Hebrews chapter 1. On a eu Pasteur Timothée qui est venu dimanche passé. We had Pastor Timothy who was with us last Sunday. Et je préparais déjà ce message sur l'extension du caractère que Papa avait prêché. And I was already preparing this message as an extension of character that Papa already preached during the convention. Hébreux 1, versets 1 à 3. Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, had in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Le titre du message ce matin, c'est les dangers de la facilité dans la marche chrétienne. The title of our message is the dangers of the easiness of the Christian walk. Amen. C'est une extension du message sur le caractère. It's an extension of the message on character. Donc la Bible nous dit ici que le Fils est le reflet du Père. So the Bible tells us here that the Son is an image of the Father. Donc si tu as vu le Fils, tu as aussi vu le Père. So if you have seen the Son, you have also seen the Father. Et le caractère, Papa avait défini comme le siège moral d'une personne. So Papa defined character as the moral seat of a person. D'un individu. Of an individual. La vie intérieure de l'homme. The internal life of a man. Qui est influencé par le mal ou par la parole. Which is influenced by evil or by the word. Donc le caractère là c'est moral, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. So character is your moral, it's that which is on the inside of you. Et ce sera influencé ou par le diable ou par l'éternel. And it can be influenced either by the devil or by the Lord. Et ça se manifeste maintenant par les actions que tu prends. And it is manifested by your actions. Et ça se manifeste surtout sous la pression. And it manifests also under pressure. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les messages sur les caractères. Today, many Christians do not like the message on character. Parce qu'on veut être appelé disciple, mais on ne veut pas la discipline qui vient avec. We want to be called disciples, but we don't want to accept the discipline that comes with it. Mais si tu ne veux pas la transformation, même Dieu lui-même ne va pas venir te forcer. But if you do not want transformation, even God will not force you to be transformed. Jésus ne nous a pas promis un évangile facile. Jesus did not promise us a gospel that will be easy. Voilà un exemple du témoignage que j'ai donné ce matin. See an example of a testimony I gave this morning. Même si elle va revenir. Even if she's going to come Mais back. Regarde tout le processus. But look at all of that process. Regarde les douleurs. Look at the pain. Regarde les incertitudes. Look at the incertitude. Regarde est-ce que je reviendrai, est-ce que je reviendrai pas? Look at am I going to come back? Am I Regarde not going to come servi, back? Regarde les j'ai servi, j'ai sacrifié, j'ai tout donné. Look at all the sacrifices I have done. Regarde I've given pourquoi all. C'est à moi que ça arrive. Look at all of this. Why should it happen to me? C'est la marche de tout chrétien. That's the Christian walk. Il a dit vous aurez les tribulations. He said you will have tribulations. On vous persécutera.
They will persecute on dira mauvaise, de, on dira de vous des mauvaises choses à cause de moi, mais they prenez courage. They will say evil things to you because of me, but be courageous. Donc c'est pas parce que tu as cru en Dieu que la vie va être facile, non? It's not because you have believed in God that your life will be easy. Parce que le diable est là, il ne veut pas te la rendre facile justement. Because the devil is there and he's not going to allow c'est you to have things easy. C'est maintenant à travers ton caractère. So now it's through la your transformation character, de ton caractère que tu as laissé Dieu agir. The transformation that you're going to allow God to act. Que par sa grâce tu pourras t'en sortir. That by His grace you'll et be able to come out. En demeurant dans la parole. That when you come out of it, you will stay in pas the world. Pas que tu t'en sors, mais Christ n'est plus dans ta vie. That he doesn't want you to go out and then Christ is not in your life. Il y a des chrétiens qui préfèrent même quitter l'église, quitter le royaume au lieu de laisser leur caractère être brisé. There are Christians that are ready to even leave the church, leave the kingdom instead of allowing their character to be transformed. Il y en a comme ça dans leur caractère, l'orgueil. S'ils ont un problème, l'orgueil est tellement fort que même Dieu ne peut pas les briser. So there are people that they have a very they are proud. Their pride is so strong that even God cannot transform their character. Ils vont se cacher derrière non, l'église a fait non, le pasteur. Non, mais au fond, c'est, il sait qu'il a, il a un caractère qui ne veut pas se briser. They are going to hide behind the church. They are going to hide behind the pastors. While the truth is that they have a character that cannot be broken or transformed. Tu ne laisses pas Dieu briser ton caractère. La vie éternelle, là, tu vas passer à côté. If you do not allow God to break your character, your eternal life is going to pass by you. Parce que c'est ça qui va nous amener là-bas. Because this is what is going to bring us there. Jésus n'a pas promis un évangile facile. Jesus did not promise us a gospel that would be easy. Il a dit qu'on serait béni. He said we will be blessed. Il a dit que tout ce qu'on a perdu à cause de lui, on le retrouvera et il a ajouté avec des persécutions. He said everything that we lost because of him, we're going to get it all back. Il a but dit vous with aurez persecutions. Avec des persécutions. He said we will get back everything with persecutions. Donc il y a des moments où les choses vont être plus faciles pour toi, il y a des moments où les choses seront difficiles. So there are moments that things will be easy for you, there are moments that things will be hard for you. Mais dans les deux moments durs ou faciles, le Seigneur est toujours au centre de ta vie. And in the two moments whether things are hard or easy, the Lord is with you. 1 Pierre 2:21 nous dit. 1 Peter 2:21 tells us. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à ça que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Quel exemple il a laissé que nous devons suivre? What example has he left behind that we need to follow? Si tu reviens dans les versets précédents, c'est la souffrance. If you come to the previous verse, it is suffering. Ce sont les mauvais traitements. It is bad treatment. Ce sont les persécutions. It is persecution. Mais lui-même a traversé cela. But he himself, through all of this. Et il est un exemple aussi que lorsque la souffrance est là, nous devons penser à lui, qu'est-ce qu'il a fait dans ces moments-là, et nous devons suivre aussi ça. And he has left an example that when we go through these moments, the hard moments, we should be able to endure and persevere. Amen. Amen. Parce que nous savons que l'ennemi est là. Because we know that the enemy le diable est là. The devil tant is que there. Nous sommes sur cette terre, il est là. As long as we are still on the earth, the enemy pour is still there. Pour ne pas te laisser le chemin facile. So as not to make the way easy for us. Mais il dit que même la souffrance qu'il lui a traversée, c'est un exemple que nous devons suivre ses traces. And he says that even the suffering that he went through is an example for us to follow in his steps. Donc la souffrance est rattachée au sacrifice que tu fais de le servir. So suffering is attached, is part of the sacrifice that you go through, you do by serving him. Ça doit être une joie. It has to be a joy. Pour ton dossier d'éternité au ciel. For your heavenly document for you to go to heaven. Même si sur la terre, c'est douloureux. Even if on earth it's painful. Mais c'est un exemple qu'il a laissé. It is an example that he has left for us. Suivre. That we need to follow. Dans la formation du caractère. In the formation or training of character. Je vais prendre un aspect ce matin. I want to take an aspect this morning. Celui que tu dois discerner. That something that you have to discern. Et refuser. And refuse. Les facilités. Easiness. Qui vont t'amener à ne pas porter des fruits. Easiness that will bring you not to bear fruit. Parce que si tu es le reflet de sa personne. Because if you are a reflection of his person. Alors tu ne dois pas fuir la souffrance. You're not supposed to run away from tu suffering. Tu vas pas abandonner l'église à cause de la souffrance. You're not supposed to abandon the church because of suffering. Tu vas suffering. Pas abandonner le royaume à cause de ce qui te cause la souffrance. You're not supposed to abandon the kingdom because of what will cause si you suffering. Si nous sommes un reflet de lui. If we are a reflection of alors him. Alors nous devons aussi suivre son exemple. We're supposed to follow his. Et peu importe ce qui peut nous amener la souffrance. And no matter what it is that's bringing us suffering. Mais nous devons toujours être là pour le servir. We are supposed to be there to serve him. Amen. Amen. Matthieu 7 verset 13. Matthew 7 13.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go therein. Mais étroite est la porte. But straight is the gate. Resserrez le chemin qui mène à la vie. And wide is the gate that brings us to life. Mais il y en a peu. There are few qui le trouvent. That find it. La Bible nous parle de la petite porte et de la grande porte. So the Bible is talking to us about the little gate and the big gate. Mais il nous encourage à prendre la petite porte. But it's encouraging us to go through the smaller gates. Parce que la petite porte là, si tu es grosse comme j'étais là, ça doit faire que tu fais le régime jusqu'à tu maigris, jusqu'à tu trouves moyen de passer par là. Because the narrow gate, if you are big like I was before, you need to go through some regime so you could cut down so you could be able to go through the narrow gate. Un pasteur m'a appelé il y a quelques jours. There's a pastor that called me. Oh, maman, tu as beaucoup maigri. Comment tu as fait? Mama, you've lost a lot of weight. What have you done? Je lui ai dit, papa, je n'aime pas expliquer parce que quand j'explique, ça prend beaucoup de volonté, de courage. I said, papa, I don't want to explain because it takes me a lot of courage to be able to explain what it took me to lose weight. Quand ma belle-sœur m'a demandé, j'ai décrit, elle m'a mis les émojis de quelqu'un qui fuyait, dit, maman, je ne peux pas faire la qualité là. Moi, j'aime trop la nourriture. Elle a fait comme ça là. When my sister-in-law wrote to me and she was like, she sent a lot of emojis and I was like, well, I'm not able to respond to this because really I'm someone that likes a lot of food. Expliquer mon frère. I explained my brother. 2 œufs bouillis le matin. À 11 heures, une pomme et un œuf bouilli. I said, in the morning, I take 2 eggs. At 11 o'clock, I take an apple. À midi, poisson, poulet, pas de féculents. At noon, I take fish or chicken, nothing more. 15 heures, yaourt nature. And at 1 o'clock, plain yogurt. Lui, je suis devenu comme un lapin. I became like a rabbit. Quand tu ouvres mon sac, il y a les fromages, Babybel, tous les fromages. If you look at my bag, there's lots of cheese. Dès que j'ai faim, je prends le fromage. When I'm hungry, I take cheese. Tu ouvres mon frigo maintenant, fromage. You look at my fridge, there's a lot of cheese. C'est les choses que je savais jamais que je pouvais manger. Those are things that I never knew I could eat before. Il dit, maman. He said, maman. Dans tout ce que tu me dis là. In all this thing you're telling me. Même petit foufou, even comme ça là, y a pas de dedans. Small foufou is not included in your diet. Papa, ah, maman, en tout cas, la qualité là, elle s'est pas servie sur. He said, this kind of regime, I don't think I can follow. Porte étroite. La porte narrow petite gate. Comme ça. Narrow gate is small like entrer this. Là-bas. You have to go through it. Faut que tu fasses des efforts. You have to make effort. Faut que tu te tasses. You have quand to tu make effort. Y a quelqu'un qui pousse tes fesses, pouf, pour t'assurer que tu peux entrer. You know that sometimes étroite. There's somebody that could push you from the back just so that you could go through that narrow gate. Vous savez, le Seigneur a eu beaucoup d'occasions de faciliter. You know, the Lord had a lot of opportunities to go through the easy route. Il a beaucoup eu d'occasions de faciliter dans son ministère. So many opportunities to go through the easy route. Quand tu regardes la vie des patriarches. When you look at the life of the patriarchs. Quand tu regardes la vie de David. When you look at the life of David. David a eu la facilité d'arracher la royauté à Saül. David had it easy. There were lots of options to just grab the kingdom from Saul. Si pour prendre la royauté, c'est pour toucher à loin de l'Éternel, je touche pas loin de l'Éternel. He said no. If taking the kingdom means to touch the Lord's anointed, je I will not do that. Je sais que je serai roi. I know I will be a king. Mais je sais que le chemin sera fait de sacrifices. I know the way is going to go through. I have to go through a way of sacrifice. Je vais suivre le chemin que Dieu a destiné pour que je sois roi. I'm going to follow the way that God has destined for me to become king. Je ne prendrai pas de raccourcis. I'm not going to take any shortcut. Les raccourcis vont toujours se présenter à toi. Shortcuts are always going to present themselves. Mais c'est à toi de savoir qui tu es en Dieu. It's for you to know who you are in God. Ce à quoi Dieu t'appelle. Know what God has called you. Et éviter certains raccourcis. And avoid those some shortcuts. Qui ne sont pas la volonté de Dieu. Which are not the will of God. Qui ne vont pas te permettre de porter des fruits. Which will not allow you to bear fruit. Écoute, le royaume est basé sur les sacrifices. The kingdom is based on sacrifice. Dieu nous a tant aimé qu'il a sacrifié son fils pour que nous soyons là. God so loved us that he did sacrifice his son that we could Dieu be here. Dieu t'appelle aussi à faire des sacrifices pour que son royaume avance. God has called you to make sacrifices so that his kingdom can advance. Mais regardez comment on se conforme au siècle présent. But look at how we are conformed to the world today. Ah, je vais rester à la maison écouter les messages. Oh, I'm going to stay at home. Ah, je vais rester à la maison écouter la prière. I'm going to stay at home and listen. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit dans la Bible? Is that what God said in the Bible? Dieu a commandé d'établir l'église, établir son temple. God has called us to command to establish the temple. Il y a des choses, des habitudes que nous prenons dans le monde vraiment
Ça there are things beaucoup. And there are attitudes and behaviors that we have that really make me sad. Ça m'attriste beaucoup. It makes me really sad. Mais nous, à notre niveau, on fera toujours tout. But for us, at our level, we do everything. Pour que vous ayez accès à la parole, à tout ce que Dieu nous demande de faire. So that you can have access to the word, we do everything possible. Et chacun va choisir s'il veut le chemin facile ou pas. And everybody has the right to choose if they want it or not. On s'est battu vendredi pour que la prière soit retransmise sur Zoom. We did everything on Friday so that the prayer could be on Zoom as quand well. On connectait si beaucoup m'ont dit, ah maman, si tu connectes maintenant la prière sur Zoom, beaucoup ne vont pas venir. On m'a dit que si tu connectes la veille de prière sur Zoom, beaucoup ne viendront plus à l'église. They told me that if you make available the prayer to be connected on Zoom, many will not come to church on the Friday j'ai night dit, c'est leur problème. I said, well, that's their problem. Si tu veux venir, tu viens. If you want to come, you tu come. Peux pas venir, reste chez toi. If you don't want to come, stay at home. Dieu nous a dit, faites la veille, on a fait la veille. God told us to do the night vigil and notre we did rôle it. En tant que pasteur, c'est de vous donner accès à tout ce qui. So, our job is to give you access to everything that God has commanded us. On a fait ça fonctionner, gloire à Dieu. So we did it and it did work. We were here peut-être and there were others that connected grande, ça viendra. There was a big television. Mais tout ce qu'on peut faire à notre niveau pour que vous ayez accès à la parole, nous allons le faire parce que je veux pas au jour du jugement avoir quelque chose à devoir à Dieu pour l'église. Everything that God has asked us to do so you can have access to the word, we have done it because we don't want tu any suivre à la maison. You could follow at home. Mais la présence qu'il y avait ici vendredi, presence, à la veille, je pense pas que presence of God that we experience here, I don't think you did experience that at all. Il y a le frère Conan qui avait un sérieux problème à la tête, je ne savais même pas. There's a brother Conan who had some issue with the head, I didn't even know. Quand Dieu nous a dit de mettre l'onction, when God told us to put anointing oil on his head, Dieu a fait quelque chose pour sa tête, je ne savais pas. Something for him. Bon, maintenant, s'il était alors à la maison, je ne sais pas comment lui donner, il allait traverser sa télévision pour aller se poser sur sa tête. Send that anointing oil to touch his head to do what God did. Je ne dis pas que c'est mauvais. Well, I'm not saying it's bad. Mais il faut discerner. But you need to discern. Il y a des efforts, il y a des choses que there tu dois efforts, faire pour le royaume. There are things you need to do. There are efforts you need to make for the kingdom. Amen. Voilà, il a acheté. Dieu l'a béni. God has blessed him. Il a acheté une maison. He bought a house. Qui est loin. Which is far. Ça lui prend presque, je crois, que c'est le plus loin à l'église. Ça lui prend presque 1h30. I think arriver ici dimanche à l'église. He's the one that lives the furthest from the church. It takes him 1 hour 30 minutes to come to church. Mais il est là. But he's here. Il est là à l'heure. He's here at on time. Eux, ça leur prend une heure. For our sister Emeda, it takes them 1 hour to come to church, but they make the effort. Ça veut dire que c'est l'essence. It means it's fuel. C'est le temps de conduite. It's time to drive. Quelqu'un lui a dit, oh, maintenant que tu habites loin. Somebody told him, now that you live far. Pourquoi tu ne trouves pas une église à côté de chez toi? Why don't you find a church nearby your home? En tout cas, il y en a qui peut faire ça, mais lui, s'il fait ça, lui connaît déjà ce qu'il attend. Well, there are people who can do that, but if he does that, he knows what's going to le juif n'est plus à la cité David, lui-même, ce n'est pas moi qui, c'est Dieu lui-même it's lui avait montré. It's not me who is saying. The day he's no more in the city of David, lui-même he il connaît ce qu'il attend. He knows what's waiting for him. Il y a des gens que Dieu lui-même te dit d'abord. There are people that God has already told them. Bon, donc tu as souffert. You've suffered. On a prié. We've prayed. Seigneur, donne la maison. God give us. On t'a encadré. We've groomed you. Maintenant, quand tu achètes, Dieu te donne la maison. Now God has given you a house. Tu vas conduire une heure pour aller travailler à Montréal. You're going to drive 1 hour to go work in mais Montreal. Mais c'est dimanche. Et que Sunday, tu vas te souvenir que j'habite loin. It's on Sunday you remember that you're living far. C'est loin pour aller louer it's le même Dieu qui t'a donné la maison. The same God that gave you a house is far for you to go to church. Mama, au Canada, quand tu as une maison, elle ne t'appartient pas. Well, in Canada, when you buy a house, it doesn't belong to you. Tu as 15 ans, 20 ans de dette à payer. You have 15 or 20 years joue to pay Dieu, that debt. Joue avec Dieu, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Just play joue with God. Dieu. One day, God is going to show alors, you en Afrique, quand tu as ta maison, in tu as construit, c'est ta part. When you buy a house, you build a house, it's joue for you. Joue avec Dieu, toujours avec Dieu. You can play with God. Quand c'est pour Dieu, God. Maintenant, dimanche, c'est loin pour God, venir à l'église. When it's for God, on Sunday, now the house is too far mais for you to come to church. Mais quand priez que Dieu te donne la maison, Dieu t'a fait grâce. You were praying, God has given you grace. Il y en a qui donnent les dossiers à la banque, l'hypothèque, ça ne passe pas. You put your documents in the bank, the mortgage wasn't going through. Tu vas aller habiter où que ce soit proche. You're est-ce qu'il y a encore les maisons à Montréal qui sont moins chères? Where are you going to stay that will be near the church? Are there houses in Montreal now? Donc quand souffre pour prier pour toi, tu as so ton plan. So when we suffer to pray, you already have your plan. De paresse. Your plan of laziness. Je vais trouver quelque chose à côté de la I'm maison. Going to look for something near the quand church. Quand est-ce que tu vas faire les sacrifices pour when Dieu? When are you going to make a sacrifice for God? Quand est-ce que tu ne sais pas que le fait même de conduire une heure, Dieu, c'est des choses qui vont compter. You quand tu seras dans le malheur, Dieu va dire non, cet enfant chaque dimanche il conduit une heure pour venir dans ma maison. You don't know that just that sacrifice you're making, you're driving 1 hour to church. When there's something, God sees that sacrifice. Fais attention à la facilité. You have to be careful for je viens pas te dire que tu dois nécessairement souffrir. I'm not saying you have to necessarily mais suffer. Mais je viens te dire que fais attention, discerne les choses qui
vont t'empêcher de porter les fruits. You have to be discerning to know things that will deny you from bearing. Nous aussi nous habitons loin. Je suis à Terrebonne. We too, we live far. I live in Terrebonne. Mais on est ici. But we're here. Comment je peux compter même les distances pour Dieu? How can I even count distance to God? It doesn't even make sense. Et tu, en plus tu as une voiture. And you have a car. C'est pas au temps de Jésus, il marchait à pied, c'est même pas si le cheval était déjà disponible. That Jesus was walking on. Je lisais un peu les distances que Jésus parcourait. I was reading the distances that Jesus had to walk on. Les distances que Paul parcourait. The distances that Paul pour l'évangile. Had to go through on foot for the gospel. Et en cours de route, il doit s'arrêter pour and chasser tel démon. On the il doit way, arriver he dans tel village. To chase the demon. Il est fatigué, il s'assoit. He il doit continuer. He has to continue. Le Canada nous offre la facilité. Canada has opened the door of easiness. L'état présent nous offre us. La facilité. The time we are in has je made things easy for us. Discerne. You have to be discerning. Ce qui va t'empêcher de porter des fruits. Discern that which will prevent you from bearing fruit. Attention à la porte large que tu prends. Be attentive at that wide gate. Tu écoutes les raisonnements des gens. And on n'a pas le temps d'aller à l'église. Oh, we don't have time to go to church. Oh, voilà, moi mon dimanche c'est pour ceci. Look at me, my Sunday is for this. Oui, il y a des réalités, il y a des boulots ici qui demandent à travailler. Le dimanche, tu ne demandes pas de laisser ton travail. There are realities. There are some people that work on Sunday. I'm not saying you should leave your job to come to church. Elle à peine elle a trouvé ce travail là. Thank God she has got a job. À peine elle a trouvé. She just got a job. On lui a dit tu dois travailler les dimanches. They've told her she has to work on Sunday. Elle a négocié. She had to negotiate. Elle a dit non, je dois aller à l'église. She said I have to go to church. Ok, on te donne un dimanche sur deux. Okay, they said she has to work one Sunday on two. C'est ça, non? Amen. 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 Le Canada, il respecte la religion. Et quand tu leur dis que mon église dimanche, c'est ma thérapie, quand vous allez au psychologue, là, c'est ma psychologie, c'est mon psychiatre. Canada respects religion. If you tell them that my church is my therapy, je dois être avec ma communauté, ça me fait du bien. Ils aiment tout ce qui est mental. The church is my community. They do je respire. Good. They love je things that bien. Are mental. C'est bon pour mon mental. It's good for c'est my quoi mental les mots que j'utilise là? Voilà. They will le stress, si je suis stressé. If you're stressed. Anxiété, voilà. Où est les Québécois? Non, ceux qui sont nés ici connaissent l'histoire là. L'anxiété, anxiety, mon bien-être moral. My well-being, ouais, maman, my moral well-being. Elle te donne le dimanche. Parce qu'ils savent que si tu es fou, tu ne peux pas venir travailler. They know that if you're stupid, if your mental health is not okay, you cannot come to work. Non, pas stupid. You are, tu es, your tu mental. Stupid. Voilà. Amen. Vraiment, je te prêche ce matin avec tout l'amour que j'ai dans le cœur. I am preaching to you this morning with all of the parce love qu'en tant in que my pasteur, heart. Quand je vois des choses qui nous éloignent de bienfaits de l'éternité, moi c'est l'éternité qui m'intéresse, ça me fait mal. For me, it's eternity that interests me, and I'm really worried when you're engaged in things that take you far away from eternity. La porte étroite c'est petite parce que ça va demander des efforts, de conduire loin. The narrow gate loin. Is narrow because ça va te demander it's going d'être to ask là you la for nuit. Effort. Ça va te demander de te réveiller maybe à 5 heures du ask matin. You to wake up at 5 in the morning. It's going to tu ask you to come from choix, a distance. If you do c'est it with l'éternité joy, que tu prépares. You're preparing for eternity. Tu crois que le jour du malheur, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Do you think that on the evil day, what are you going to tell God? Quoi à Dieu? What are you going to tell qu'il God? Ait miséricorde de toi. That he should have mercy on you. Qu'est-ce que tes pasteurs vont dire? What will your pastor say? Cette sœur qui est partie, elle dit, Dieu, Seigneur, souviens-toi d'elle. This sister that just left, I'm just saying, elle God, fait, remember Dieu, her. Elle a fait ci, elle a fait ça. She has done this, elle she, a has fait done ça. That, she has done Seigneur, this. Seigneur, souviens-toi. Father, remember on her. On s'est parlé vendredi. We spoke on Friday. Elle dit, tu t'es reposé. She said, j'ai dit, non, you, nous sommes en train rest? De jeûner. We are praying, we are fasting. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, mais pour ta récré. Elle dit, I told her, maman, I said, we're fasting tu as mal au dos, tu jeûnes pour moi. J'ai dit, oui, on doit te she supplier. Said, you have a back ache, but you're fasting for me. I said, yes. Porte étroite. Narrow gate. Le monde a beaucoup de choses à vous dire. Le COVID est venu avec son lot de problèmes. The world has a lot of things to tell us. Si tu veux te conformer. If you want to conform. Si tu veux prendre la porte étroite if you want pour to aller, take the pour narrow arriver gate, à la vie éternelle. To arrive at eternal life. Tu prends la porte étroite. You take the narrow gate. Le Seigneur Jésus a eu beaucoup d'opportunités de facilité. The Lord Jesus had a lot of opportunities mais and options to take the easy parce way, but he never took that. Père. Because he wanted to ressembler do like his father. Père. He wanted to être be like his father. He wanted to be a reflection of the father. Il savait la mission que le Père lui a donnée. He knew the mission that the father il gave him. Il savait pourquoi l'onction était sur lui. He knew why the anointing was on him. Il savait. He knew. Et il savait que ce mandat viendrait avec des douleurs. And he knew that the mandate came with pain. La trahison. The betrayal. La persécution. Persecution. Il savait qu'à la fin, il serait seul. He knew at the end he would be alone. Il savait qu'à la fin, tout le monde l'abandonnerait. He knew at the end everyone would abandon him. Il savait que c'était un chemin difficile. He knew it was a difficult road. Mais pour qu'il ait le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. But for him to have a name above every other name. Il fallait qu'il traverse ce chemin-là. It was important for him to go through that. Pour être agréable au Père. To be an example il fallait of qu'il father. Traverse ce chemin. He needed to go through that pour amener au Père d'autres frères et sœurs, nous là, qui to nous a amenés. Bring us
To bring more brothers and sisters, we. Il fallait qu'il traverse cela. He needed to go through that route. Il savait pourquoi le père l'a envoyé. He knew why the father had sent him. Le diable lui a offert des occasions de facilité. The devil offered him a lot of easy options. Il lui a offert le manger gratuit. He gave him free food. Il a dit non. He said no. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Man does not live by bread alone. Mais de toute parole qui sort de la bouche. But by every word that comes out of the word of God. Il lui a offert une protection gratuite. They offered him free protection. Il a dit non. He said no. Il a dit, mais descends, non, les anges sont là. Il a dit, non, je ne vais pas tenter. Said, just jump down, angels are there. He said, no. Je ne suis pas là pour jouer au jeu, je vais me jeter pour que les anges viennent me chercher. I'm not here to come and jump down so that the angels will come. Il lui a proposé la gloire, toutes les richesses. He even suggested glory and all riches. Je vais te donner tout ça. I'm going to give you all of this. Vas, prosterne-toi seulement et adore-moi. Bow, just bow before me. Il a dit, retire-toi de moi, Satan. He said, no, get behind me, Satan. Tu adoreras le Seigneur. We will serve the tu Lord. Le serviras lui seul. We will serve him alone. Et le diable l'a laissé. And the devil left Après him. Après tous tes sacrifices pour le royaume, le diable va te laisser à un moment donné. After all of your sacrifices for the kingdom, at a given Après moment, the devil will leave you. Après toute persévérance, il y a un moment qu'on appelle le repos. There's a moment of rest. Ne cherche pas le repos quand ce n'est pas encore le repos. Don't look for rest when it is not yet time. Il y a un temps pour travailler. There is a time to Il y a un work. Temps pour persévérer. There's a time to Il y a un temps pour faire des sacrifices. There's a time to Il y a un temps sacrifice. Pour souffrir. There's a time to suffer. C'est après tout ça là qu'il y a un temps vient qu'il y a le repos. All of this that you David can est entré rest. Dans le repos, non? David entered rest. Il y a un temps de repos. There's a time of Mais rest. Tu ne peux pas te reposer quand tu n'as pas encore travaillé. But you cannot enter rest when you Aujourd'hui, vous voulez le repos. Today you Mais quand rest. C'est pour aller travailler, gagner But votre argent, vous travaillez. If it is to go work to get money, you can Mais quand c'est pour Dieu, tu veux le repos. But if it is for God, okay. you want rest. Tu veux le repos d'abord que toi-même regarde ton dossier. Tu as fait quoi pour que tu vas te reposer? You want rest. Now you yourself look at your dossier. What have you done to request for rest now? Amen. Amen. C'est pas encore mon temps de repos. It's not yet my time to rest. Mais même si je veux prendre le repos là maintenant. But even if I need to take rest now. Même le ciel va être d'accord avec moi. Even the heaven will be okay with me. Amen. Amen. Parce que ça fait depuis 16 ans que je travaille pour Dieu. It's been 16 Depuis que j'ai l'âge de 16 ans. It's been since I was age 16 that I began to work for God. J'en ai 51 maintenant. I am 51. Regarde les années de labeur pour Dieu. Look at the years of labor for God. Donc si je décide que moi-même là, même so, si ton repos là tu n'as pas encore, moi-même là je vais me reposer. Je te dis que Dieu va être d'accord avec moi. Even if it's not yet time with God and I tell God, God, I want to rest, even God will be okay with me. Amen. Amen. Mais je ne peux pas le faire. De But quel I droit? Cannot. Je vais le servir jusqu'à ce qu'il va dire que c'est ton temps de repos maintenant. Assieds-toi. I'm going to continue working until he is going to tell me it's now your time for rest. It's now le diable lui a proposé le manger, la protection, les gloires, les richesses. Protection, glory and riches. Jésus savait que ce n'était pas par ce chemin là qu'il allait devenir roi. Jesus knew that it was not by those routes that he would become king. Il a dit non. He said no. Amen. Amen. Il faut discerner. You need to discern. Je me souviens un moment donné, on vivait des situations difficiles. I remember at a given time we were living in a difficult On était moment. Dans un petit sous-sol. We were in a basement apartment, very small. Les enfants dormaient tous les trois dans une chambre sur un lit. All the children were living in one room on one bed. On louait dans une grande maison avec des beaux meubles. On a tout laissé pour aller dans ce petit sous-sol-là. We left a big house and we came to this basement apartment that was very small. C'était difficile. It was hard. On commençait l'église à l'époque. We just began the church at that Même time. Quand les gens sont venus à l'église, Even à la maison. People were coming to the ils house. Ont dit non, pasteur, vous ne pouvez pas être dans cette situation. They said no, pastor, you cannot be in this situation. On va cotiser l'argent pour que vous trouviez une autre maison plus grande. We are going to contribute money so you could look for a bigger house. Tu as déjà vu un pasteur refuser l'argent? Have you seen a pastor refuse money? On leur a dit non. We said no. We told them no. Dieu veut que nous soyons ici. God wants us to be here. On a discerné que Dieu veut que nous, voulait que nous soyons là. We have discerned that God wants us to be here. C'était dur. It was hard. Je me souviens des nuits, je me levais. I remember at night I wake up. Je voyais trois enfants sur un petit lit. I would see three children on a small bed. Je me tenais et je pleurais. I would stand and I'll be crying. I'll et be je crying. Pleurais. I'll be Parce crying. Que c'était dur. Because it was Mais hard. Pour rien au monde. But for nothing in je the n'allais world, sortir de là. I will not remove Parce them que from je there. Savais que c'est Dieu qui Because I knew that it was God that wanted Il y us to be there. Il y a des moments de difficulté qu'il faut que tu discernes que c'est Dieu qui veut que je traverse cette situation pour briser quelque chose dans mon caractère. During difficult moments, it's important that you discern that it's God that wants you to be in that situation. On nous a so proposé la facilité, on a character. Dit non. They suggested easy route for him, he said no. C'est Dieu qui veut qu'on soit là. It's God that wanted us to C'était be there. C'était Dieu. It was hard. Mais on voulait que Dieu soit là. But we wanted God. God wanted us to be there. On continuait à servir Dieu. We continued serving God. Jusqu'à ce que Dieu commence à nous annoncer qu'il allait nous acheter une maison. Up to when God began to announce to us that he will buy a house for us. Une sœur me dit, j'ai rêvé, vous achetez une maison. A sister told me, I dreamed that you bought a house. Dis-moi.
I said me. Au Canada ici. In this. Acheter une maison. In this Canada buy house. Ça a commencé comment? How did it begin? Je n'avais même pas la foi. I did not even have faith que je pouvais avoir une maison. That I could buy a house. Dieu me dit, je vais t'acheter une maison. God said, I will buy you a house. L'année prochaine, à pareil moment, vous aurez une maison. Next year, by this time, I will buy a house for you. J'ai même voulu aider Dieu. J'ai I even wanted Dieu. To help God. Je suis allé même trouver du travail. I went to look pour for que la banque nous pour que au moment la banque nous soit favorable. So that the bank will be favorable to us. Dieu a dit le travail la dépose rentre faire mon œuvre. Moi je vais vous acheter une maison. God said that job you have to let go of it. Go home. I will buy a house for you. On a quitté du sous-sol où la poussière entrait. We left that basement where dust was entering. Pour entrer dans une maison. To enter into our own house. Fais attention à la facilité. Be attentive on je the easy bien route. De la facilité qui va t'empêcher de porter des. Be attentive of that easy route that will prevent you from bearing fruit. Non, ne va pas dire que oh, j'ai dit que on va souffrir. Non, je fais pas l'apologie de la souffrance. Moi, je n'aime pas la souffrance. I didn't say that we have to suffer, you know. Mais quand quelque chose de facile va t'empêcher de servir, de porter des fruits, c'est dangereux. That presents an opportunity of an easy route that will prevent you from bearing fruit. You have to discern that. Et tout ça, c'est toujours dans la formation de notre caractère. And all of this is in the formation of our character. Matthieu 5, verset 45. Matthew 5, 45. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. He said, be ye perfect because your Father in heaven is perfect. Donc soyons comme notre Père céleste est. So we need to be like our heavenly Father is. Le Seigneur est fier quand il nous voit traverser des situations. The Lord is proud when he sees us go through some situations. Mais nous sommes là avec foi et persévérance. But we have to be there with faith and perseverance. En sachant que il est là. Knowing fully well that he en is there. En sachant qu'à travers les moments difficiles, il y a quelque chose qu'il bâtit dans nos vies. Knowing that going through those difficult moments, there is something that God is building in our lives. Il demande d'être parfait comme il est parfait. And God is asking us to be perfect because he is perfect. Et Philippiens 2, 5 nous dit, Philippiens 2, 15. Philippians 2, 15 says, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Donc nous devons lui ressembler. So we need to resemble dans notre caractère. In our character. Nous devons être irréprochables comme il a été. We need to be irreprochable like he was. Comme dans cette génération où chacun fait comme des fous, pervers et corrompus. In this generation, everyone is doing as they like. It's mais a perverse toi, tu, and corrupt tu te bats pour être différent. But you are being groomed to be different. Même si tu as un groupe d'amis, eux ils mènent leur genre de vie, mais toi au milieu d'eux, tu sais que non, moi je suis un chrétien. Quand dimanche, eux ils vont aller dans les bars, moi je vais à l'église. C'est ça qu'il dit. Au milieu de cette génération perverse, mais tu connais ta vraie identité. Even in the midst of this crooked and perverse generation, you need to know your true identity. That even on Sunday when they are going to the club, you need to come to church. You know you're different. You have a unique identity. Tu as des amis, tu dois faire la distinction. You have friends, you have to be distinguished. You moi, je trouve dommage quand je vois les gens dans des groupes, c'est les païens qui les entraînent. Eux qui ont l'esprit de Dieu ne peuvent pas les entraîner aux choses de Dieu. Je trouve ça toujours bizarre. I find it hard to understand that some of us we have unbelieving friends. They are the ones that drag us, but we cannot drag them into godly things. Tu as le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit. Et non, ils ne l'ont pas. They don't have. Mais c'est eux qui t'entraînent dans leur monde. They toi, tu ne peux pas les entraîner à Dieu. They that drag you into the world and you cannot drag them into the church. Amen. Pourtant, si Dieu te donne ses amis, ses frères, c'est pour que tu travailles quelque chose. Friends, it's so that you could do some work in their lives. Moi, chaque personne qui vient à moi, je regarde toujours comment je peux leur donner Christ. I look for an opportunity how I can present Christ to them. Amen. Demain, quand j'étais à Paris, lastly, when I was in Paris, il y a un jeune garçon qui est venu louer une chambre parce qu'il y a. There's a young man that came to rent a room. C'est un jeune Camerounais. He's a young Cameroonian. Très gentil. Very nice. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu. I began to talk to him about God. Même pas deux jours qu'il était dans la maison. It wasn't even 2 days that he was there. J'ai commencé à lui parler de I Dieu. I began to speak to him about God. Et je lui ai dit dimanche, je suis pasteur, je prêche. And tu viens I avec said, moi à l'église. On Sunday, I'm a pastor. I preach. You're going to come with me to church. Il a dit ah bon, maman. J'ai he dit said, on really? Va à l'église. I said we're going to go to church. Il m'a accompagné à l'église. He followed me to church. On allait à l'église où we je prêchais. We went to church
to the church where I was preaching. Et on est allé à une deuxième église où je devais prêcher. We went even to the second church I had to preach. Je lui parlais du Seigneur en coup d'eau. I spoke to him about the Lord on our way. Et j'ai vraiment regretté que je rentrais parce que c'est un gars que je voulais vraiment donner really Jésus. I was regretting that I had to come back to Canada because it's somebody Mais that. Mais j'ai vu qu'il avait attrapé une semence. I saw that he did get a seed. There was a seed that I have sown in his life. Je lui ai dit, je veux le dimanche que tu ailles prier. I said, look at this church. I want you on Sundays. Go and Quand pray je suis in that church. M'envoie un message. When I came, he sent me a message. Merci beaucoup, maman, d'être entrée dans ma vie. Thank you, mama, for entering into my life. Merci beaucoup de m'avoir présenté le Seigneur. Thank you for presenting Christ to Ça, me. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut me donner. That's the best gift anyone can give me. Amen. Amen. Donc, si tu es avec tes amis et que eux ils vont t'amener vers Satan, and they are et toi you to tu n'es pas capable de les amener and à you Dieu, are not capable of bringing them to God, il y a un problème. There's a problem. Parce que si Dieu les a amenés à toi quelque part, Because il y a un impact God, que tu dois créer if God dans brought vie. Them into your life, there's an impact you're supposed to make in their lives. Amen. Amen. N'oubliez pas que il nous envoie porter des fruits. Do not forget that he has commanded us to bear fruit. Jean chapitre 15. John 15. Et Dieu m'a martelé ça toute cette semaine. And God has spoken to me on this all week. Et moi-même, c'est un message qui s'adresse d'abord à moi personnellement. This is a message that's talking to me personally. Jean 15, verset 2. John 15, verse 2. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas des fruits, Every il le retranche. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Tout sarment qui porte les fruits, il arrose encore pour qu'il porte encore plus de fruits. And every branch that beareth fruit, he purgeth it that it may bring forth more fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Now, abide in me that I can abide in you. Comment le, comme le sarment de lui-même ne peut porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pourrez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verse 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Verset 7. Si vous demeurez en moi, If ye abide in me, mes paroles demeurent en vous, and my words abide demandez in you, tout ce que vous voudrez, ye shall ask what ye will, cela vous sera accordé. And it shall be done Écoute unto bien. You. Écoute bien, si vous portez beaucoup de fruits, If you bear much fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, it is in he that your, my Father is glorified. Et que vous serez mes disciples. So shall ye be my disciples? C'est ta responsabilité de porter les fruits. It is your responsibility to bear fruit. C'est ta responsabilité de discerner. It is your responsibility to discern. Et d'enlever tout ce qui pourrait t'empêcher de porter des fruits. And to remove from your life anything that can prevent you from bearing fruit. Parce que le Père c'est le vigneron. Tout vigneron reste, il regarde son champ. De temps en temps, il vient. Quand il y a les mauvaises herbes, il coupe, il enlève, il arrose, parce qu'il veut que la récolte puisse produire. Because the Father is the husbandman. He keeps watch over all of the plants. He is the one that waters them. And if there is any branch or any plant that doesn't bear fruit, he cuts it. Donc tu vérifies ta vie spirituelle. So you have to verify. Tu vérifies chaque jour ta marche avec you Dieu. You have to verify every day your walk with God. Ton travail, tes amis, ton friends, qu'est-ce qui se passe? And what's happening? Et tu discernes qu'est-ce qui peut m'empêcher discern what can prevent you de porter des fruits? From bearing fruit. Parce que le Père dit que plus tu portes, plus Because il arrose, plus tu portes encore. The Father is saying that the more fruit you bear, the more He will water you, that you will bear much fruit. Donc si tu es assis et sec, tu ne fais rien. So if you're just seated and you're doing nothing. Mais plus tu donnes, plus il arrose. But the more you bear fruit, the more He waters you, the more you will bear much fruit. Donc c'est pourquoi Dieu lui-même surveille sa vigne. That's why God Himself keeps watch over your life. Nous sommes la vigne de Dieu. We are the lives of God. Il surveille toutes les branches avec attention. He watches every branch with attention. Tu dois le faire aussi. You have to do it too. Pour porter des fruits. To bear fruit. Nous devons porter des fruits. We need to bear fruit. Matthieu 21, 34 nous le dit. Matthew 21, 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoie les serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons saisissent les serviteurs, les battaient l'un à l'autre et lapidaient les autres. Je vais sauter. Verset 41. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vie à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Just read verse 43. Verse 43, therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Dieu regarde les fruits. God looks at fruit. Le Seigneur veut que tu produis des fruits. The Lord wants that you bear fruit. Si à un moment donné tu ne veux pas, if at a given moment you don't il va want, donner à quelqu'un d'autre. He'll give it to someone else. À un moment donné, Élie, at a given time, Élie dans la souffrance,
Elijah in suffering, dans les persécutions de Jézabel, il est tombé comme dans une dépression. He fell into depression. Il a dit, Seigneur, prends ma vie. He said, Lord, take my life. Je ne suis pas mieux que mes pères. I'm not better than my father. Je suis resté seul. I'm alone. Jézabel est derrière moi. Jézabel is behind me. Et tout ça là. And all of this. Dieu dit, mange et bois, lève-toi et lis, le chemin est long. God said, eat and drink, the way is still far for you. Je viens dire à quelqu'un que le chemin peut être long encore pour toi. I'm telling somebody today, the way may still be long for you. Mais il faut que tu demeures en lui. But you need to abide in him. Il lui a donné le pain. He gave him bread. Le pain, c'est la parole. The word, le the pain, bread c'est is the word, which il a trouvé is une cruche d'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. He found water. The water is the Holy Spirit. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. You tu have as toujours Jesus. La force de marcher. You have the Holy Spirit. You have all of the strength. Mais il voulait rester dans sa dépression. But he wanted to stay in his depression. He wanted to remain in his depression. He wanted to remain in his depression. Okay, c'est bon, y a pas de problème. So God said, no problem. Si tu veux pas me servir, y a d'autres personnes. If you don't want to serve me, there's someone else. Va où Élisée à ta place. Il va continuer ce que tu veux pas continuer. Go and anoint Elisha, and he will continue the work that you don't want. To continue doing. Est-ce que tu aimerais que Dieu prenne ton appel? Do you want ton God to take your call, your ministry, pour donner à quelqu'un and give it to someone else? Can you please answer me this morning? Ça fait peur. Hein? It's scary. Quand j'ai bien relu l'histoire, là, moi-même, j'étais dans ma part de dépression. J'ai dit, oh papa, pardon. When I read this story, me too, I was in some kind of depression. I was papa, like, God, forgive je me. Continuer à te servir. Forgive me. I will continue peu importe serving le prix you. À payer. No matter the price I need to pay. Amen. Amen. Nous devons porter des fruits. We need to bear fruit. Il dit le royaume sera enlevé. That the kingdom will be taken. Il y en a qui tu marches comme ça, mais Dieu n'est même plus avec toi. There are some people that they continue walking, but God is no more tu with te them. Débat, mais il a déjà donné ton appel à quelqu'un d'autre. Maybe they are making all of the effort, but God has given your call to someone else. Parce qu'on veut le chemin de la facilité. Because we want the easy route. On ne veut pas prendre la porte étroite pour porter des fruits. We don't want to take that narrow gate to bear fruit. Ça fait mal. It's painful. Mais c'est la récompense à la fin. But there's reward in the end. Tout petit, le Seigneur Jésus dans le temple, il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Even as a young man, Jesus in the temple, he said, I have to go about my il father's dit, je suis business. Venu servir. He said, I have come to serve je him. Je suis venu donner ma vie. I have come to give my life. Pour la rançon de plusieurs. For the remission. C'est pour ça the, que je suis venu sur la terre. For the redemption of many. Vous allez me donner la si la facilité, c'est ça que Dieu a dit, je prends. Mais si à travers la facilité, je vais manquer mon royaume, je ne vais pas prendre. Well, if the easy route is a good route, but if the easy route will make me to miss my mission, then I don't want to go that way. Je vais bientôt terminer. I will soon conclude. La Bible dit que the Bible says that tu ne peux pas bâtir une maison sans calculer le prix. You cannot build a house without calculating the tu price. Tu ne peux pas aller à la guerre avec une armée sans voir si vous allez si you cannot go to war with a size of an army that you know cannot take you anywhere. Il y a beaucoup d'avertissements que Dieu nous donne par rapport à notre éternité. These are things that God is giving us for our own eternity. Et par rapport à nous conformer au siècle présent. And to make us so that we will not be conformed to the present world. Tu ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père. Okay, there are others that will say, Lord, Lord. Est-ce que tu fais la volonté de ton père? Are you doing the will of your ou tu es en train de faire ce qui est facile pour toi? Or are you doing what is easy for le you? Travail qu'on t'a donné de faire à l'église, est-ce que tu fais? C'est ça la volonté de. Est-ce que tu fais? The work that they're giving you in church, are you doing it? What you're doing is that what you're doing? Okay, you're using pretexts or excuses ce qui est to facile escape. Pour you're toi. Looking for something that's easy. Est-ce que tu le fais? Are you doing the work? Parce que quand tu travailles à la maison de Dieu, tu fais la volonté du père. Because when you work in the house of God, you're doing the will of God, the Father. Est-ce que tu le fais? Are you doing it? Ou tu donnes des raisons? Où tu donnes des raisons. Or you're giving excuses or reasons. Matthieu 5, verset 29. Matthew 5, 29. Je vais donner quelques passages. On va I'm going to give some passages. On va clôturer. And we will close. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Okay. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Qu'est-ce qui est pour toi une occasion de chute? What is for you an opportunity of failure? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme un prétexte pour ne pas porter des fruits? What excuse are you giving to God not to bear fruit? Il faut que tu jettes cette chose-là. You need to throw away that thing. Que tu coupes et tu jettes.
You need to cut it and throw it away. Mieux vaut entrer dans le royaume sans cette chose-là et aller à la vie éternelle que d'aller en enfer. It is better for you to enter eternal life without that thing than for you to go to hell. Assure-toi que ce que tu fais, tu es en train de faire la volonté du Père. Be assured that what you are doing the will of the Father. Tu es en train de le servir. You are serving him. Le chemin ne sera pas facile. The way will not be easy. Mais c'est à travers à travers les moments difficiles, à travers les tribulations. But through difficult moments, through tribulations. Que nous allons arriver au royaume des cieux. That we are going to go to the kingdom of heaven. C'est acte 14. Acte 14, 22. Paul fortifiant l'esprit des disciples, comme je le fais ce matin, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Okay. Acte 14, verse 22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and that we must go through much tribulation to enter into the kingdom of God. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais pas perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en nous. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Amen. So we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then, death worketh in us, but life in you. C'est pourquoi, verset 16, nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute gloire, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Il dit, nous portons toujours en nous la mort de Christ. He says, we carry with us every day the death of Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Les souffrances, the sufferings, les tribulations, the tribulations, les efforts que nous faisons pour the le efforts servir, that we made to save, les sacrifices, the sacrifice, conduire 2 heures de route pour arriver to drive ici, 2 hours just to come être here, debout à 5 heures, to be awake être at 5 là pour servir, to be there to serve, être disponible, to be available. Tout ça, c'est une espèce de mort. All of these are expressions of death. Parce que c'est des sacrifices que tu because fais. These are sacrifices et that quand you're tu making. Le fais, c'est dur. And when you do it, c'est difficile. It's hard. Mais il te dit en le faisant, but he's saying, in doing that, en fait, c'est pour que la vie de Christ soit manifestée so that en the toi. Life of Christ will be manifested in you. Que la vie soit manifestée. That let life be manifested. Même si ton homme extérieur se détruit, even if your exterior man, the exterior man mais is ton homme intérieur, le travail, l'œuvre que tu fais au Seigneur, ça te renouvelle man, de jour en jour. Peu importe les légères man. Afflictions que tu peux traverser pour le servir, no matter the light affliction that you're going through in serving him, mais dans l'éternité, but in eternity, c'est un poids éternel de gloire. It's a time of glory. Peut-être sur la terre, tu as l'air d'être le dernier. Maybe on earth you are the last. C'est pourquoi il ne faut pas te plaindre. That's why you don't oh, have c'est to toujours complain. Moi qui sais. Oh, c'est toujours moi que maman appelle. Oh, c'est toujours moi. Oh, c'est toujours moi. Tu veux que j'appelle qui? Who do you want me to call? Amen. Amen. Tu veux que j'appelle qui? Who do you want me to call? C'est une espèce de mort. It's an expression of death. Mais que nous devons it's porter. A piece of death that we need to carry. Afin que la vie de Christ soit manifestée. So that the life of Christ will be manifested. C'est un sacrifice. It is a sacrifice. Tu as même la grâce d'avoir des pasteurs qui ont tellement ça. Donc, si vous voulez les exemples de sacrifice, nous-mêmes, nous, nos deux vies là, nous sommes des sacrifices. If you want an example of sacrifice, both nous of us, là. Our lives are sacrifices. Nous we, sommes là. We are here. Mais vous nous avez déjà vu abandonner l'église, non? Have you ever seen us abandon the church? No. Nous, on sert Dieu envers et contre tous. We are serving qui God with une personne everything. Ici, nous sommes là. Even if there's one person here, we are here. Nous sommes là. If there are 10 people, tu m'appelles à minuit, je vais venir. You call me at midnight, I'll come.
Tu m'appelles à n'importe quelle heure, je vais venir. You call me at any time, I will come. C'est une espèce de mort. It's a piece of death. Mais dans l'éternité. But in eternity, ça produit un poids éternel de gloire. It's producing a weight of glory. Ne regarde plus aux choses visibles comme tu les vois. Do not look at visible things, things that the eyes can see. Regarde aux choses éternelles. Look at eternal things. Regarde à l'éternité. Look at eternity. Amen. Amen. Et encore un autre verset. Regarde à l'éternité. Look at eternity. Amen. Amen. Je crois que j'ai fini pour ce matin. I think I'm done for this morning. Je lisais un livre de Kenneth Hagin cette semaine. Il a un bon exemple qu'il a de Renard Bonquet. Il a un bon exemple qu'il a donné, mais on n'a plus le temps. Je vais vous lire ça une autre fois. And at some other time, I'm going to read some example for you. Faisons attention que le Seigneur nous donne. Be attentive to the example that the Lord is giving us. Ce qui te coûte. What is going to cost you? Te donne une raison de crier à Dieu au temps de la détresse. Give a reason to cry to God in your time of distress. Ce qui te coûte aujourd'hui. What it will cost you today. Sera la clé demain pour ouvrir cette porte là que tu as besoin. It will be the key to open the door tomorrow. Parce que tu pourras dire à Dieu, Seigneur, voilà, souviens-toi de moi. Look at me, remember me. Souviens-toi de mes enfants. Remember my children. Seigneur, quand il n'y avait personne à l'église, j'étais là. Lord, when there was nobody at church, I was there. Seigneur, souviens-toi. Lord, remember. Le prix de l'essence avait augmenté. Mais moi, j'étais toujours à l'église. I was always there. Seigneur, souviens-toi de moi. Father, remember quand me. Les pasteurs étaient à la détresse. When the pastors were in distress. Seigneur, j'étais là avec eux. Lord, I was there with them. Ce qui te coûte aujourd'hui. What is costing you demain today? Va être la clé qui va ouvrir une tomorrow porte de bénédiction pour ta vie. The key that will open demain the sera door. La clé qui va ressusciter ton enfant du lit de mort. Tomorrow it will be the key that will resurrect demain your sera child la clé from qui there. Va toucher quelqu'un à l'immigration, tomorrow, toucher quelqu'un pour te donner le travail. It will be the key that will touch somebody to give you a job or touch somebody at immigration to give you your papers. Ne fais pas à Dieu de regretter pourquoi il t'a béni. Don't make God to regret why he called que you. La bénédiction que Dieu t'a donnée aujourd'hui ne soit pas un prétexte demain. That the blessings that God has given you today should not be a pretext for you tomorrow. Fais attention à l'histoire de la distance. Be attentive of that story of distance. Même si tu dois prendre 4 bus pour arriver ici, prends tes 4 bus. Even if Amen. You need to take 4 buses to come here, take the buses and come here. Donc, c'est pas à conduire, même si tu vas conduire 2 heures de temps. Even if you have to drive 2 hours. C'est juste que le Canada n'a pas développé le système de train comme en Europe. Hein. It's just that Canada doesn't have a well-developed train system. À Paris, il y a les gens qui sont à leur église à 2 heures, mais à cause des trains, pouf. In Paris, there are people who live 2 hours away, but because of the train system, it's nothing for them. They take the train and they are able to make it to church. Fais attention à l'histoire de travail. Be attentive for that story of your work. Laisse toujours le temps pour Dieu. Always give time for God. Parce que le travail que tu travailles là, voilà. Because the job you're doing. Voilà un milliardaire qui vient de partir. Look at a billionaire that just died. Parti. He just died. Fais attention à la température, il fait froid, il fait chaud. Be attentive for temperature. Oh, it's too Mama, hot. Si tu veux la chaleur, retourne en Afrique, assieds-toi là-bas. If Mais si tu veux au Canada, sache qu'il y aura l'hiver, il y aura les tempêtes de neige. If you want to go back to Africa, if you're in Canada, just know that it's a cold country. Ne prends pas tes bénédictions pour gifler Dieu maintenant que. Comme je me suis marié, je ne vais plus te servir. Comme maintenant j'ai la femme, je ne vais plus te servir. Don't use your blessings to slap God. Now I'm married. Je suis trop riche maintenant pour venir à l'église balayer le sol. I'm too rich to come to church. Demain tu peux te retrouver sans $1 tout nu. Tomorrow Amen. You can still find yourself without $1 even Ta naked. Maison que tu crois que tu es arrivé là. The house that you think you Quelque chose you peut arriver demain, tu n'arrives même plus à payer l'hypothèque Something la banque vient ramasser la maison. Something can happen tomorrow and you're not able to pay your mortgage and you could find yourself. Je suis désolé, il n'y a rien qui est coulé dans le béton avec Dieu. I'm sorry, there's nothing. Même si tu as coulé dans le béton, Dieu s'est cassé le béton parce que c'est lui qui a créé le béton. On va se lever ce matin. Pendant qu'elle s'embrouille, nous, on se lève. Quand on dit coulons le béton. Brique, non. Béton, c'est brique. Béton is brick, ah. Yes. Élève ta voix, dis Seigneur, aide-moi ce matin. Lift up your voice and say, Lord, help me this morning. Aide-moi à discerner. Help me to discern. La facilité. The easy way qui va m'empêcher de porter les fruits. That will prevent me from bearing fruit. Je n'ai pas dit que la facilité est mauvaise. I didn't say Il y a la facilité qui est bonne. Dieu nous rend les choses faciles. There are some easy routes that are good. Sometimes Mais dans that la, brings it la to manière us. De penser, But your way of thinking, d'agir dans your notre caractère acting, your character, et de choisir un chemin qui t'empêche de porter les fruits, that will prevent you from bearing fruit. C'est très dangereux. It's dangerous. Dis Seigneur, aide-moi à discerner. Say, God, help me to discern. Dans ma vie, dans mon environnement, my life, in my environment, dans ma famille, in my family, tout ce qui peut Everything that can prevent de porter des fruits. From bearing fruit. J'invite Pasteur John pour nous diriger dans la prière I en fonction de ce que j'ai dit ce matin.
Élevons déjà nos voix et parlons lift à up Dieu. Your voice and begin to pray. Après, à la Sainte-Sainte, je vais venir pour les annonces. Continue à implorer le Seigneur ce matin. Implore le Seigneur ce matin. Dis le Seigneur, conduis-moi. Say, Lord, lead me. Guide-moi, Seigneur, sur ton chemin. Guide me on your way. Guide-moi sur ta voie, Seigneur. Guide me on your way. Je veux marcher selon toi. I want to walk according to you. Implore le Saint-Esprit ce matin. Implore the Holy Spirit. C'est lui qui va te fortifier. He's the one that will strengthen you. Va te conduire dans le chemin du Seigneur. He's the one who lead you in the way of the Lord. La voie de ta destinée. And send to your destiny. Dieu a quelque chose pour toi. God has something for you. Il a du bien pour toi. He has something good Mais for you. Mais veux que tu le fasses selon lui. But you want to do it according que tu marches selon le Seigneur. That is to walk according to pas the selon Lord. Une personne. Not according to a pas person. Selon le monde. Not according to pas the selon world. Tes amis. Not according to parce your que friends. Tu as quelque chose de spécial pour toi. Because you have something special for you. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Ask the Holy Spirit to fortify là où you. Peut-être tu es découragé. Maybe you're discouraged. Peut-être tu es abattu. Maybe you're broken tu as perdu down. Espoir. You have lost hope. Mais le Saint-Esprit te rassure encore ce matin. May the Holy Spirit reassures you this morning. Qu'il est avec toi. That is with you. Là où tu es, il te connaît. Where you are, he knows you. Il est avec toi. He is with you. L'apôtre Paul. The Apostle Paul. Il se retrouve en prison. He finds himself in prison. Mais Dieu va le retrouver en prison. And God will meet him il dit, in prison. Tu vas rester là-bas. And say you stay there. Parce que j'ai quelque chose pour toi. Because I have something tu for you. Tu dois aller à Rome également témoigner. You have to go equally to Rome et to testify. Il témoignait en tant que prisonnier. He gave that testimony as a prisoner. Et quand je lis ce passage, and when I read this passage, il est parti he's gone, et il a témoigné. And he testified. Que Dieu te conduise. Let God lead you. Même dans tes épreuves, even your trials, même dans tes batailles, even your battles, qui t'amène à ta destinée, let him bring you to your destiny, et que tu ne perdes pas espoir, and that you shouldn't lose hope, parce que la récompense, because the reward, elle est là, elle est de Dieu. It is there and it's from God. Nous allons prendre la Sainte-Sainte ce matin. We are going to take the Holy Communion this morning. Et c'est un signe également. And it's also a sign de l'obéissance et du sacrifice de Christ. Of the obedience, the sacrifice of Christ. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les souffrances.